Philippe, c'est le moment tant attendu des Frogans Awards. Merci Jean-Emmanuel pour me donner la parole. On va commencer dans le tout de suite. J'appelle les membres du jury des Frogans Awards numéro 2. Coralie Boulet, Sébastien Bachelet, Xavier Sens et Laurent Poligny, s'il vous plaît, de me rejoindre ici sur scène. Je vous invite peut-être à prendre place, peut-être, ou qu'est-ce qui est mieux ? Debout, c'est bien, pour se présenter rapidement. Okay. Et il manque quelqu'un, et Sébastien. Alors, en deux mots, je vous explique comment la soirée va se passer. Ce soir, dans les Frogans Awards 2, nous allons décerner 4 prix. Voilà. Sur ces 4 prix, 2 seront décernés par le jury, donc le jury que vous avez devant vous, le prix de l'impression artistique et le prix du mérite technique. Le troisième prix sera le prix des réseaux sociaux. Donc j'ai vu tout à l'heure que la tutosphère s'excitait un petit peu sur les adresses Frogans des sites finalistes. Et pour finir cette soirée, on conclura à l'applaudimètre, donc donner l'impression de cette... Enfin, la volonté collective de la salle. Il s'agira de faire le plus de bruit possible pour le site qui vous a plu le plus, tout simplement. Alors, commençons d'emblée, donc. Coralie, bonsoir. Donc, Coralie Boulet, vous êtes directrice de l'École supérieure du digital. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être, de l'école ? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin... beaucoup à tous, parce que j'observe que les femmes sont en minorité dès qu'on parle de technologie. J'ai la chance d'avoir créé une école pour former au métier du digital, qui englobe la partie à la fois technique, donc ce qu'on a pu voir effectivement toute la soirée, tout ce qui est lié au web dev, à la création graphique et à la stratégie digitale. Donc j'ai la chance de piloter cette école sur Paris avec une centaine d'étudiants formés en post-bac et à bac plus 3 pour aujourd'hui s'approprier toutes les nouvelles technologies et j'espère le Frogans très rapidement. Merci beaucoup Coralie. Merci. Xavier, vous êtes donc enseignant-chercheur à l'UT Paris-Descartes et aussi au département donc communication, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je coordonne le département information et communication. On est sur du diplôme assez classique DUT, information et communication, et puis DLP. Et à l'IT Paris-Descartes, on a des formations qui se spécialisent de plus en plus sur le digital, comme le marketing aussi, au département technique de commercialisation. Merci beaucoup. Merci. Laurent Poligny, vous êtes un ingénieur de recherche à l'université d'Évry. Et donc, à ce titre-là, vous avez participé au hackathon d'Evry et aussi à la Nuit de l'Info. Oui, effectivement. Je suis aussi enseignant au département informatique, dans lequel on a 3 filières, donc, dont 2 étudiants que vous avez vus tout à l'heure. Et donc, dans mes interventions, j'enseigne et j'organise aussi la Nuit de l'Info, en local à Evry, pour cet événement. Parfait, merci beaucoup Laurent. Et notre président du jury, Sébastien Bachelet, on le connaît, il était déjà à plusieurs FTC, en particulier la dernière. Sébastien est ancien membre du comité d'administration de l'ICANN et aujourd'hui à l'ICANN en tant que représentant des utilisateurs européens, c'est ça ? Oui, exactement. J'étais au board de l'ICANN et maintenant je suis représentant des utilisateurs européens dans ce qui s'appelle AtLarge ou ALAC, AtLarge Advisory Committee. Et puis, dans les dernières nouvelles, vendredi dernier, j'ai été réélu au conseil d'administration de l'AFNI, qui gère le .fr et qui est aussi le système derrière lequel le point Frogans, qui est invisible et que vous ne voyez pas et dont vous n'avez pas besoin de vous intéresser, est géré. Parce qu'il faut quand même avoir une base technique qui soit utile et qui fonctionne. Et donc, c'est l'AFNI qui fait ça. Mais encore une fois, pour être clair, je ne suis pas salarié de la FNIC, donc ne me posez pas des questions sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez. Je suis représentant des utilisateurs de l'Internet au conseil d'administration de la FNIC. Merci, voilà. Sébastien, de nous faire l'amitié d'être ici ce soir. Alors,
Je vais simplement, pour faire la revue, peut-être qu'on peut s'installer pour être plus confortable, comme vous préférez. Hein. Je vais appeler Aurélien Probst pour manipuler un petit peu la machine. En fait, simplement, on va passer en revue une première fois les sites. Je vais dire dans un ordre. Celle-là, elle est cassée. Celle-ci, elle est cassée, celle-là. Alors, si quelqu'un pourrait avoir une chaise, ça serait super. Sinon, on continue de toute façon. Alors. Non, mais c'est bon. Alors. Je rappelle simplement, il y avait 6 sites finalistes au Frog Hands Awards 2. Il y avait des thèmes qui étaient des thèmes assez libres finalement, qui étaient e-commerce et surprends-moi. Tout simplement, e-commerce, c'était deux thèmes qui étaient censés éviter le stress de la page blanche. Hein. Ceux qui n'avaient pas forcément d'idées pouvaient commencer à phosphorer sur des thèmes qui étaient présentés, mais on a vu aussi des sites qui étaient très beaux, et en tout cas très différents de ces thèmes-là, et évidemment on les a acceptés. Alors, donc 6 sites, on va les manipuler ensemble, enfin en tout cas c'est Aurélien qui va le faire ici. Je n'ai pas d'ordre préféré, peut-être qu'on commence un peu par hasard. Attendez, j'ai une liste ici. Je propose de commencer par le site Frogans étoile Etralai. Donc c'est E-T-R-A-L-A-I. On va essayer de passer deux, trois minutes par site. Simplement, donc c'est voilà un site avec donc manifestement en forme de géométrique du pays de la Côte d'Ivoire et avec 4 sections qu'on peut visiter rapidement. Voilà, et qui donne accès à une plateforme d'e-commerce, en tout cas une plateforme d'e-commerce, le front-end d'une plateforme d'e-commerce, pour acheter des éléments traditionnels, des pagnes, des masques et d'autres. Voilà, donc des belles images. Hein. Voilà, vous pouvez créer un panier et acheter. Voilà. Alors ici, c'est une apparemment, je commente simplement pour ceux qui ne connaissent pas forcément le détail de l'avancement de la technologie Frogans, mais ici, c'est une simulation de formulaire. Évidemment, ces sites ont été créés avant que la fonctionnalité ne soit disponible dans FSDL. Donc il y a eu un petit hack hein, dans ce côté-là. On peut aussi voir ce qui se passe aussi en termes de vignettes. Voilà. D'autres boutons peut-être. Alors, Etralai a été présenté par la communauté Frogans de Côte d'Ivoire. Donc les personnes que nous avons vues dans la vidéo dans le témoignage vidéo tout à l'heure. Bon, je crois qu'on a tout vu là, en tout cas. Jean-Manuel ? Non ? Bah, y a beaucoup d'articles, hein, donc tout le loisir à vous de retaper cette adresse Frogans, Frogans étoile i-tralai. Oui. Alors, voilà, merci Aurélien. Si l'adresse vous plaît, elles ont été toutes retweetées juste avant le début de cette session. Retweetez-les si ça vous plaît, comme ça vous avez une plus grande chance d'obtenir le prix des réseaux sociaux. J'en prends un deuxième au hasard. Bravo. Oui. Deuxième au hasard, le site Peluche. Frogans étoile Peluche. Alors, c'est un site qui a été développé pendant le hackathon à l'Université d'Evry. Qui consiste manifestement à choisir le haut et le bas d'une peluche. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix entre un lapin et un ours.
Voilà. Pour en avoir discuté tout à l'heure avec les auteurs, l'idée est, qui n'a pas pu être aboutie, en tout cas visuellement, il y a le back-end, en fait, c'est le... Enfin, il y a toute l'infrastructure pour pouvoir changer l'habillage, mais il n'y a pas beaucoup de choix d'habillage, tout simplement. Donc l'idée, on pourrait changer la couleur, le haut, le bas, et en faire un panier, donc toujours dans le thème de l'e-commerce, pour pouvoir acheter cette peluche qu'on aurait construite soi-même. OK. Toujours au hasard, le Frogans étoile chart, CHART, merci Aurélien, qui a été présenté par la société Absolus Conseil de Bordeaux. Donc ça commence par un disclaimer qui nous dit en substance que ce site est généré dynamiquement à partir d'un fichier CSV, donc de données, pour ceux qui ne connaissent pas le format CSV, ce sont simplement des données numériques séparées par des virgules ou des points-virgules. Et apparemment, donc, ce site traduit ces données numériques en des représentations graphiques, hein, donc en anglais, des charts. Donc on a des bâtons. Voilà. Donc là, on peut voir apparemment chaque donnée s'affiche en bas quand on passe le curseur sur un bâton d'une couleur donnée. Là, ce sont les bâtons cumulés. Le modèle, c'est, moi, ça me ressemble, ça fait penser à Excel, les premières versions d'Excel. Voilà, donc des bâtons, des airs. Ah oui, il y a une petite vignette qui n'a pas de rapport avec le thème. Ça, c'est à quoi ? C'est un camembert ? Ça ressemble à un camembert. D'accord ? Donc, plusieurs données, je commente en toute liberté, vous pouvez me reprendre, évidemment. Voilà, le chart des lignes. Alors, des lignes de points, enfin plutôt des points placés sur des axes verticaux, des lignes qui relient les points, et des lignes de points qui relient les points. Ça ? Parfait. Très bien. À moins qu'on a tout vu là ? OK. Donc, ça, c'est chart de Absolus Conseil. Merci. Merci pour eux. Ensuite, donc il m'en reste combien ? Il y en a trois autres. Storyvoir, Frogans, étoile, Storyvoir avec un E à la fin. Voilà, donc manifestement, une plateforme d'achat de matériel électronique, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Okay, donc, il y a quoi ? Il y a une simulation de panier d'achat ? Alors voilà, donc je peux acheter. À ce moment-là, j'ai un slide, en l'occurrence statique, où je pourrais, une fois que j'ai la fonctionnalité de formulaire, je pourrais m'inscrire pour demander la livraison. Storyvoir, très bien. J'aime bien, le nom est sympa. Ça, c'est mon trésor, à mon trésor qu'il a soumis. D'accord. Okay, je crois qu'on a compris le fonctionnement. Hein. OK. Et donc, il m'en reste un. Ouais. Il m'en reste deux, en revanche. Pardon. Donc, le prochain sur ma liste, c'est Frogfoot. Frogans étoile Frogfoot. Voilà, donc là, un thème dans l'air du temps.
dans l'actualité, où on voit donc la présentation du trophée, des équipes, des poules, des maillots, et que sais-je encore, du championnat d'Europe des nations de football qui a lieu en ce moment en France jusqu'au 10 juillet 2016. Je sais, c'est mon anniversaire, c'est pour ça. Voilà, donc les stades aussi. Alors évidemment, chez vous ou ici dans la salle, vous pouvez aussi naviguer vous-même ces sites Rogans, puisqu'évidemment, ils sont en ligne. Ils ont été présentés et publiés dès que ça a été possible en fin de semaine dernière. Et donc, ils sont navigables aujourd'hui avec la version 1.0.2 de Rogans Player pour développeurs. D'accord ? Parfait, merci. Dernier site en compétition ce soir pour la finale des Frogans Awards 2, Frogans Étoile Open, O-P-E-N, qui a été proposé par DevGang, le groupe de développement DevGang. Alors, donc là, une forme plutôt ronde avec des boutons. Donc clairement orienté sur l'e-commerce, des produits informatiques. Alors on nous a dit que ce site était aussi capable de gérer d'envoyer des emails, d'envoyer des SMS, des choses comme ça. En vignette, ça donne quoi ? D'accord. C'est enregistré. Si je m'enregistre, j'ai une page coming soon, alors j'imagine pour le lancement de la plateforme. Et pour me connecter, on a une simulation de profil d'acheteur en ligne. Ok. Merci. Alors, avant de donner la parole au jury, je m'adresse à la salle, c'est le plus simple, et éventuellement à ceux qui regardent les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'un de ces sites ? Ça, on évacue la situation. Là-haut, une question là ? Non ? Véronique ? Non ? Pas de question ? Ok. Bon, très bien. Alors, je vais passer maintenant le micro aux membres du jury qui désirent s'exprimer pour exprimer leur opinion sur ces sites, ou en particulier sur un site qui leur aurait plu. Je fais simplement à Laurent Poligny de l'Université d'Evry. Alors, juste une remarque, en fait, ce qui est amusant, c'est que l'art a commencé dans les cavernes dans lesquelles on mettait des mains sur le mur et en fait, il n'y avait pas de cadre. Et là, maintenant, on s'aperçoit que donc, sur les 6, il y en a quand même 5 qui reprennent la notion de cadre qu'il faudrait commencer à réévacuer pour se remettre directement face à un objet plus identifié comme objet et pas comme feuille ou comme page. Voilà. C'est ma remarque. Merci. Mais je suis pas juré. Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nos critères ont été basés sur les spécificités de la technologie Frogans, donc l'idée d'abandonner le cadre. Hein, et l'autre critère aussi, c'était les potentialités techniques, c'est-à-dire c'est peut-être pas achevé, mais qu'est-ce que ça offre en termes de dynamique, en termes de contenu qui s'adapte en fonction de l'utilisateur, en fonction des données externes, etc.
Donc, comme le dit mes camarades, au-delà de sortir du cadre, moi, ce à quoi je suis sensible, c'est aussi la promesse. C'est-à-dire que même quand on réduit en vignette, on doit avoir une promesse quand on arrive sur un site, hein, que ce soit un site Frogans ou un site plus classique, pour effectivement inciter l'utilisateur à rentrer dans l'expérience. Donc sortir du cadre et puis donner envie et inviter l'utilisateur à rentrer dans le site. Sébastien ? Oui. Moi, ce que j'ai aimé, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste, sauf que c'est un peu réducteur là, ce qu'on nous montre, parce que si on regarde pour le foot, l'image, c'est quand même un ballon ou c'est la coupe. Et donc, il y a eu des tentatives de recherche d'images. Oui, il y en a une partie qui est dans un cadre en général rectangulaire et qu'il faudrait essayer de se sortir de là. Mais il y a quand même différents projets qui ont essayé, au moins dans une partie, de sortir de la situation du cadre. À pression quand même cette partie-là, parce que ils n'ont pas eu tant de temps que ça pour le faire, et c'est tout neuf. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un de ces sites où j'ai pu voyager en même temps que je voyageais dans le site, où on découvre l'art local, c'est une carte du pays. Je dis ça, ça n'a aucun conséquence sur quel sera le résultat qui sera annoncé par le jury tout à l'heure, mais je trouve que c'était intéressant, cette recherche culturelle un peu différente de je vends, puisqu'on parle d'informatique, je vends de l'informatique. Frogans, justement, c'est pas de l'informatique, même si vous êtes obligé de faire un peu de développement pour nous présenter ces sites. Oubliez que c'est de l'informatique, et si vous pouvez vendre autre chose dans les sites d'e-commerce, ce serait génial. Dernier point, je pense que vous en avez discuté avant que j'arrive, mais je voulais en profiter pour dire combien j'apprécie cette évolution dans le projet. Maintenant, on peut tous les voir de chez nous. Alors, ce n'est pas encore du grand public, il y a encore du travail derrière, mais apprécions le chemin qui a été parcouru, et qu'on puisse voir ces 6 sites comme ça, chacun de nous, où qu'on soit sur l'Internet, c'est quand même un pas en avant extraordinaire. Et donc, félicitations à tous ceux qui ont travaillé là-dessus, en particulier ces derniers temps, plus globalement depuis le début du projet, mais ces derniers temps, pour nous permettre de voir ça ici aujourd'hui. Merci. Maintenant, je vais annoncer les résultats. Alors, il y avait deux prix que le jury a décerné. Donc, il y a un prix sur l'art. Je dirais celui qui avait le plus de potentiel de montrer des choses qui étaient artistiquement bien faites, qui utilisaient des images variées, des choses comme ça. Et puis le deuxième prix, qui est plus lié à la technique, on ne le voit peut-être pas trop d'évolution en termes d'image et de graphisme, mais il y a quand même du travail technique derrière, et donc c'était ces deux choix que nous avons faits. Donc pour la partie artistique, le gagnant est Open, celui qui est tout en haut à gauche. Et celui qui a remporté le prix pour la partie technique, et nous avions d'éminents spécialistes des technologies de l'information dans le jury, c'est celui qui s'appelle Chart et qui a plein de points ici en bas à droite. Félicitations. Félicitations aux deux équipes qui ont développé ces sites, et puis merci à tous les autres d'avoir participé à ce concours. Et j'espère que la prochaine FTC, il n'y en aura pas 6, mais beaucoup plus. Merci. Merci Sébastien, mais c'est pas fini. Ceux qui n'ont pas encore gagné peuvent encore gagner aux deux autres prix que j'ai annoncé tout à l'heure en filigrane, c'est-à-dire le prix des réseaux sociaux depuis que ces sites ont été publiés donc sur l'Internet à des adresses Frogans disponibles pour tous. Les adresses circulent
Alors, ça fait pas beaucoup de temps, ça fait 3 jours, mais ça a eu le temps quand même d'être répété et amplifié. Donc, il y a ce prix des réseaux sociaux. Et pour donner les résultats des réseaux sociaux, je vais donner la parole à Gwendal Audrin. Je vais lui passer le micro, en fait, ça sera plus simple, qui va nous annoncer le nom du vainqueur avec le nombre de tweets de cette adresse-là. Alors ça s'est bien battu là dans les 15 dernières minutes sur Twitter. Une grosse bataille, j'ai failli laisser mon ordinateur. J'ai encore failli laisser mon ordi. Alors, sur le fil, je crois que la récompense va partir en Côte d'Ivoire pour le site Frogans Étoile Itralet. Ah, Itralet, bravo Itralet. Parfait, merci, tu peux garder le micro. Alors, donc, ça fait déjà 3 gagnants, merveilleux. Donc, le moment est venu de décerner le prix de l'audience ici présente. C'est un exercice que nous avons déjà fait lors de la Frogans Technology 6, où on avait la première édition des Frogans Awards. C'est le fameux exercice de l'applaudimètre. Alors juste 2 secondes, j'aimerais bien qu'on ferme ce micro avant l'applaudimètre. Parce que sinon, je fais gagner. On va essayer d'être... Alors, pardon, donc on va juste... Il y a une petite mise en scène pour l'applaudimètre parce qu'il faut accéder à la machine. Et puis comme ça, en plus, les membres du jury seront libres d'applaudir à tout rompre. D'accord. Et Alexandre, tu me donnes le top quand tu es prêt. Jean-Emmanuel, tu veux juste agrandir, cacher les autres pour qu'on comprenne bien. Alors, ça va nous permettre de nous dégourdir aussi les bras. On va faire un petit essai pour l'applaudimètre, pour vérifier qu'il marche bien. Hein ? On va le calibrer un petit peu. Est-ce que tu peux nous le lancer ? Ah bon, j'étais pas là, d'accord. D'accord. C'est merveilleux, tout se fait tout seul. Ok, donc on le voit là. Oui, mais j'ai plus l'ordre, je me souviens plus de l'ordre. Tiens, tu choisis l'ordre et puis comme ça on... Nous allons donc repasser en revue un par un les 6 sites finalistes des Frogans Awards. Ne vous gênez pas, allez-y, applaudissez, on enregistre. Gwendal, qui est là-haut, je pense, va aussi mesurer le volume atteint à l'applaudimètre. Et évidemment, celui qui aura gagné, c'est celui qui atteint le plus haut volume. Alors. Là, on n'a plus d'applaudimètre ? Si ? Micro. Alors, le premier pour lequel on vote, c'est Frogans Étoile I-Tralet. Alors, il faut qu'on voit l'applaudimètre. Hein, c'est... Celui-ci, là. Alors, il faut qu'on voit l'applaudimètre. On coupe les micros. Pardon, je répète, hein, c'était donc Itralet présenté par Au Village. Donc 52, j'ai noté. Okay. Deuxième site, Jean-Emmanuel. Le deuxième site, Frogans Étoile Frog Foot.
Frogfoot, c'était le site présenté par la communauté Frogans de Côte d'Ivoire, 45. Prochain, Frogans étoile open. C'était open du groupe DevGang à 60. Alors, le prochain, Frogans étoile Storyvoir. On se... Non. Ne le faites pas à chaque fois. Donc Storyvoir, présenté par Montrésor, 73. Alors le prochain, Frogans, étoile, peluche. Je vais le faire, ne bougez pas. Je guette là ceux qui applaudissent. Le dernier, Frogans étoile chart. Que personne ne bouge. Donc 43 pour Chart, si j'ai bien vu. Et donc, belle main gauche, n'est-ce pas, hein?
Eh bien, écoutez, le gagnant du prix du public est Frogan, c'est toi, Storyvoir. Bravo! Et c'est donc At Mon Trésor qui gagne. Et je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé des prix, mais les prix sont offerts par les partenaires des Frog Hands Awards que vous avez vu un peu plus tôt dans l'après-midi. Et donc chacun des auteurs de ces sites, des sites qui ont gagné, donc si j'ai bien compris, Open pour la partie impression artistique, Chart pour le mérite technique, qui c'était le... Itralay peut-être pour les réseaux sociaux et Storyvoir pour l'acclamation ont gagné 5 adresses Frogants donc pour eux ou leur famille ou leurs amis s'ils veulent et l'hébergement de leur site Frogants pendant un an à partir de l'ouverture du registre FCR à tous les utilisateurs de l'internet qui devraient intervenir à partir du 11 octobre prochain. Donc bravo aux 4 gagnants. Et je vais simplement donner la parole, le micro, pour... On va passer un micro à Victor qui est là-haut. Simplement parce que dans le règlement des Frog Hands Awards, on tire au sort aussi des gagnants, de gens qui ont retweeté les sites donc des gagnants ici. Et que chacune des adresses que va dire, enfin des adresses, des handle Twitter que va donner Victor gagne aussi une adresse Frogans ainsi que l'hébergement de son site pendant un an. Alors Victor, à toi. Merci Philippe. Alors pour les retweets pour Frogans Étoile Open, le gagnant est Devgan Spirit. Okay. Bravo. Bravo. Pour les retweets pour le site Frogans Étoile Storyvoir, le gagnant est Deadzy 1693. Ouais, bravo. Bravo. Pour les retweets pour le site Frogans Étoile Chart, c'est aussi Daisy 1693. Bravo, bravo, il a de la chance. Et enfin, pour Frogans Étoile Itrelay, c'est Mister MK. Bravo Mister MK. Bravo. Merci beaucoup. Ceci conclut les Frog Hands Awards. Et je donne la parole à Jean-Emmanuel Rodriguez qui a ouvert cette manifestation pour la conclure en beauté. Merci Jean-Emmanuel. Merci à toi Philippe.